En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Thank you.
pas distrait par ce qui se fait là-bas. C'est les voix pour mon frère qui vont occuper cette partie-là. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour le début de la construction. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi qui as acheté ce bois. Ce culte est un culte prophétique. Hier, je vous ai parlé sur après avoir prié. Il faut croire que tu as reçu et le manifester, et puis tu vas obtenir. Aujourd'hui, le thème c'est après Alpha 30. Après Alpha 30. Ce soir, je ne suis pas venu comme un pasteur, ni comme un enseignant, je suis venu comme un prophète de Dieu. Et la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Aujourd'hui, regarde-moi comme un prophète de Dieu. Comme si tu avais Ésaïe devant toi, Moïse devant toi. Ta manière de voir l'homme de Dieu détermine ce que son Dieu fera dans la vie. Et je suis venu avec des prophéties pour vos vies. Après Alpha 30. Les choses que vous allez devenir. Lorsque Dieu voulait bénir Israël, il disait seulement à Moïse une chose, lève-toi, pars et lève tes mains, dis, soyez bénis et le seul. Vous imaginez, le grand Dieu, le grand roi, quand il voulait bénir son peuple, il fallait qu'un homme, un petit homme Moïse se lève et qu'il parle et Dieu bénisse. Je suis plein d'assurance sur les choses que je veux te dire parce que je les ai reçues dans le lieu très saint et je crois que ces choses vont se réaliser dans vos vies. Cette église ne sera jamais plus la même. Vous ne serez jamais plus la même. Alléluia. Quand je viens, je vois maintenant votre manière d'adorer Dieu, de louer Dieu. Je me dis, Seigneur, je suis le pasteur d'une autre église. Vous avez changé. Vous avez changé. Il y a des gens que je ne voyais jamais se prosterner, qui se prosternent. Jamais danser, qui dansent. Comme des enfants. Ça prouve que something is happening. Dieu ne peut pas changer ta spiritualité sans changer le reste. Et Dieu est en train de changer la spiritualité des gens. Je suis en train de voir des gens devenir davantage sensibles et spirituels. Quelque chose est en train d'arriver. Il faut être aveugle spirituellement pour ne pas le voir. Et je veux t'annoncer ce que Dieu va faire. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y aura pas de service d'offrande ni d'offrande du prophète. C'est-à-dire, quand je dirai une chose, tu sens que c'est ta prophétie. Pour 2013, tu donnes et ton offrande du prophète, et tout ce que tu avais préparé, donné à Dieu. Alléluia. Et la Sainte Seine, nous allons la prendre encore à la porte ce soir et partir. Pour que nous ayons le temps d'annoncer des paroles prophétiques sur vos vies. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce que seulement un oncle a parlé. Dans une famille, il y a une femme qui a dit à une autre, tu vois le bébé que tu as là, tu ne seras même pas la prochaine. La femme a fait 11 mois de grossesse, 12 mois. Elle a quitté l'Europe pour le Congo afin de demander pardon à cette femme-là pour qu'elle accouche. Et cette femme n'a pas l'onction. Et celui qui se tient devant toi est au roi du Saint-Esprit. Je vais encore t'aider. La puissance d'une prophétie n'est pas dans l'agitation. Aujourd'hui, je ne peux pas m'agiter. J'ai faim, je suis fatigué. Si toi, ta foi vient pas en cri, aujourd'hui, tu es perdu. Je vais t'annoncer tout, lentement et simplement. Mais cela va changer ta vie. Lorsque Dieu a
créé les cieux et la terre, il ne criait pas, il parlait. Et la lumière est là, le ciel est là. Dis à ton voisin, après le jeu. Après le jeûne de Josaphat, l'Esprit de l'Éternel a saisi au milieu de l'assemblée un prophète appelé Jahaziel pour donner une prophétie d'encouragement à Josaphat et à Juda. Et après Alpha 30, l'Esprit de Dieu au milieu de la compassion me saisit afin de te donner des paroles au sujet de ton futur prophétie. Jeune de Josaphat, Dieu a combattu à sa place. Dieu révéla les stratégies des ennemis de Juda. Dieu donna des stratégies de guerre à Juda. Bien-aimé, après ce jeûne, tu t'es présenté devant lui. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Après ce jeûne, tes combats ne sont plus tes combats. Tes combats deviennent les combats de l'éternel. Je vous le déclare au nom de Jésus. Après ce jeûne, tous vos combats ne seront plus vos combats, mais deviennent désormais les combats de l'éternel. Après ce jeûne, toutes tes luttes ne sont plus tes luttes. Ça devient les luttes de l'éternel. Tu ne combattras pas le sorcier, l'éternel le combattra à ta place. Tu ne combattras pas le magicien, il le combattra à ta place. Tu ne combattras pas le jaloux, il le combattra à ta place. Josaphat n'a pas tenu des armes, mais l'éternel a tenu toutes les armes pour lui et il a eu une grande victoire dans le repos. Il y a un Josaphat ici qui, avant ce jeûne, se battait. Je dis, tu ne te battras plus. Il se battra à ta place. Il combattra pour toi. Il te précédera dans tes guerres et dans tes luttes. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel va te précéder dans tes guerres, dans tes luttes. Les luttes de décembre, il va te précéder en décembre et il va te donner la victoire en décembre. À la fin de ce mois, il est déjà à la fin de ce mois et il va te donner la victoire à la fin de ce mois. Tes combats ne seront pas tes combats, mais tes combats deviennent désormais les combats de celui que tu as cherché en mangeant des fruits, des légumes, des rangs de l'eau. Désormais, ça devient ses combats. Il n'est pas seulement le Dieu de Josaphat, il est ton Dieu aussi. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est ton Père et il est ton bouclier. Écoute cette précision. Tes ennemis se détruiront eux-mêmes. Ils céderont à se détruire. Dieu placera une embuscade contre eux. Je déclare au nom de Jésus que les gens qui subissaient pour te détruire, ils vont commencer à se chamailler. Ils vont commencer à se diviser. Entre eux-mêmes, ils vont se diviser. La Bible nous dit que Dieu a fait que les ennemis de Josaphat commencent à se disputer eux-mêmes. Jésus, que tes ennemis vont s'entretuer, ils vont se diviser, ils vont se séparer, ils ne pourront pas continuer ce qu'ils ont commencé parce qu'il n'y aura plus d'entente entre eux. Au nom de Jésus, j'annonce la division dans les camps de tes ennemis, la division dans les camps de tes ennemis. Je dis la division dans les camps de tes ennemis, la division dans les camps de tes ennemis, la division dans les camps de tes ennemis. Pourquoi? Parce que leur force, c'est parce qu'ils sont unis, c'est parce qu'ils s'entendent. Alors lorsque l'oncle m'en passe, il va appeler la tante Makiadi, s'entendre. La tante Makiadi ne va pas entendre, elle va refuser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu placera une embuscade contre eux. Dieu placera une embuscade contre eux. Et tu auras le butin de guerre. Je dis, tu auras le butin de guerre. Tu auras le butin de guerre. Tu auras le butin de guerre.
respecteront. Je déclare au nom de Jésus. Et les gens te respecteront. Je déclare le respect. La crainte de Dieu va s'emparer de tes ennemis. Ils vont te craindre. Pourquoi? Nous sommes à sa salamité. Nous sommes à pour disamité. Les portes étaient fermées, se sont ouvertes. C'était un
Mais Esther, après les jeunes, s'est approchée de son mari sans la permission et son mari l'a pas tué et lui a tendu les sceptres. Je déclare au nom de Jésus que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Aujourd'hui, leur place, je te donne cette place. Tu vas
désormais la force de tes défenses. La Bible nous dit que les Juifs n'étaient pas armés. Mais lorsque Esther a gêné en prier, le roi a dit, allez vous armer et combattez vous-même. Reçois les armes pour te défendre. Thank you.
bénédiction, mais tu vivras la bénédiction. Ce n'est pas ton...
de nouvelles révélations sur Dieu. Somebody!
Je vais dire tout ce que Dieu m'a dit. Acte 9, verset 9. Après ces jeûnes, certains d'entre vous seront persécutés. Et vous savez pourquoi vous serez persécutés? Pour que Dieu te révèle la direction de ta vie. Parce que les rejets révèlent des fois la direction de Dieu. La zone de ma vérité. Ananias n'avait pas un grand nom, mais c'est lui qui avait ouvert les yeux.
apostolique, mais elle a la capacité de te révéler ton apostolat. Le pasteur dit, donnez aux frères ceci, on dit, sans saule.
Vous ressusciterez les
Mon père Marat, au jour où ça est bébé, tu ressusciteras un mort. Pardon, vous pouvez s'en assurer. Dans un sens, place, vous pouvez s'en assurer. Alors, vous pouvez communiquer à l'ennemi. Il va faire s'assurer. Mais si vous comprenez le monde, vous pouvez vous faire s'assurer. Vous pouvez vous faire s'assurer. Partout mieux, aux ambos, à vite, nous répondre des mains. Néanmoins, là, vous sautez dans le bip. N'aimez pas ça, pas tout, il y a noir. Bah, la main au lobby. Et aussi là, dans le magasin, il y a aussi. Et nous avons dans le magasin. Et aussi là. Nous avons eu. Abonnez la rage Jésus. À sa canne à Saint-Esprit. Et puis, et l'autre, il y a un casse. Anima Kevin les a dissolutés. Quand on va me dire, papa n'a pas dit, mais pas mon lien de Dimara au Roma et en haut. Mais quand on a eu sur Nimi. Je disais, Seigneur, tu m'as appelé au Pessina Bala. Les visions nous venaient de voir. Pas jeune et belle de voir. Au moins, on a fait que aussi, tu vas être. Elle se met à l'autre. Et puis, nous venons à la télé. À lui poser un souci, pas moi. Mieux, c'est ça, mon rôle. Sois mal au banana. Nous ne pas sur banana. Nous ne pas sur banana. Thank you.
chenena et à su avant yo. Nous les bandes les mieux, mais à yo. Non, au cours ça y a tes frères. La siba qui cité, magité et le roté. Par au samel, au banc en zame la Bible. Et au sanios. N'a domaine per vina yo, banc en zame. En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère Nixon Navinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Frère Nixon Navinga avec l'album Mon Berger. Baye. Nasombate, Nazoa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, baye. Frère Nixon Mavinga, a Célibino album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie, Bobina Mokondit.
album mon berger yangoyo banze bo kitoko banze bo lorola matea en même temps ezo binisa yo en même temps ezo teya yo boya boye ezalate ezanini e na album mon berger satan a zui zero na somba te jamais. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobimba, yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama pona bana pe li bota mobimba pe na ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Parce que lobby est aïe. Dans le frère Marius Numbuma, Zongi, il souffre pas à vivre. Bien aimé, bon dit ma boy en bas, album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo, Bordeaux, Cosé la Mingi, à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Batu mi balé bazobé la maladie moko, baza na hôpital moko, médecin moko azo traité bango nyonso mi balé, mais moko a koufi moko a biki, ezaka ngolo. Ndenge na lobby boye baki na lobby ya moto moto a ebite to ebani mité matimbala oyo bana na Nzambe nyonso ya mokili mobimba na ebiki bozolo ndanga na www.kazarema.fr. Bala oto lobby Nzamba za roulage. Mokonzala pinda ye, ala pinda yo. Akoti kanga mo umute, ala pinda yo. Malo sako bambote jambo yeno. Eka na disabino ke mokonzala pinda ye. D'ici là, l'album entre des jours. Ya frère John Kandolo et Ozala déjà partout dans le monde. Mais à complicité na Casarema. Koma album na bino et Ozala déjà d'ici là. Bongisa baki sangala na bino talano moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà na Angleterre mobimba dans nos bits partout na États-Unis to bongisa ya baki sangala po mokonzi sa lapinai album na bino entre des jours akokota na kanana ngai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo po somba CD po participer na musala nzambe na ebisi bino. La carte album, mon condisal lapine kandai. Bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce. Yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Alapinayo. Akoti kangamo umute. Alapinayo.